Hey, salut tout le monde! Il faut que je vous raconte la fois où j'ai dû me battre dans l'entre-terre, le monde d'Elden Ring. C'est ce foutu gosse qui me l'a conseillé. Elden Ring, c'est trop bien! Trop bien? Je connais très bien la réputation du jeu. Pour avoir vu quelques streams, voici ce que j'en ai conclu. Les joueurs d'Elden Ring, c'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher de vous voir comme ça. Bref, je remercie le gosse, j'allume mon PC et je lance Elden Ring. Bon, il fallait commencer par choisir une classe. Entre un aveugle, DiCaprio, Père Blaise, je vous avoue que j'étais très intéressé à l'idée de prendre l'un des deux pervers. Mais connaissant la réputation de ce jeu, étant donné qu'il s'agissait de mon premier soul, on va pas prendre de risques. On pouvait aussi créer le visage qu'on souhaitait. Je voulais jouer avec Squeezie, mais la blague était déjà faite. Du coup, on va faire une version de moi, mais en moins bien. Allez, c'est parti! Mon histoire commence après ma mort. Ah, ça commence bien. J'étais dans une sorte d'église. Et la première chose que j'ai remarqué, c'était cette capacité incroyable de pouvoir se gratter les miches. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais c'est toujours utile. Il y a un cadavre à ma droite. Voyons voir ce qu'il a à nous donner. Un doigt? Mais où est-ce que je le mets? Serait-ce un message subliminal que le jeu essaierait de me dire? Et pourquoi un doigt d'ailleurs? Il se gratte les fesses, le bouclier est à l'envers, et mon premier loot c'est un doigt dégueu. Je sens direct que je vais passer un super moment là. Bon, sortons de cette pièce. Ah, un bon bol d'air frais, ça fait du bien. Ce qui est cool dans ce jeu, c'est que d'autres joueurs pouvaient laisser des notes par terre. Et on m'avait dit beaucoup de bien sur la communauté de Elden Ring. Sympathisant, entraide, forcément pleine de bonnes intentions. Je regarde la note. Quelque chose d'incroyable droit devant. Ah, c'était donc ça! Un passage secret si je saute! La réponse était sous mon nez depuis le début! Chapelle de l'anticipation. Va te faire foutre. Pendant 5 minutes, je cherchais comment quitter cette plateforme. Pas là. Passage dérobé droit devant. Hein? Bon, ça me saoule, là! Alors qu'en fait, il y avait juste des escaliers à gauche de là où j'avais sauté plus tôt. Grand arbre. Ah, mais ouais! J'avais même pas fait gaffe à ce truc-là. Graphiquement, ça a quand même de la gueule, hein. Allez, on continue. J'étais sur le point de quitter le didacticiel pour enfin débuter mon aventure de Elden Ring. Jusqu'à qu'un monstre mi-homme, mi-couille et mi-araignée saute sur moi. Je savais pas qu'il mettait des faux boss dès le début du jeu. Allez, ce n'est que le didacticiel. Il paraît impressionnant, mais ça doit pas être bien compliqué de le... Quoi? Le didacticiel m'a tué? Mais c'est quoi ce jeu de timbré? Bref, après avoir succombé à ma mort deux fois, alors que techniquement le jeu n'a toujours pas réellement commencé, je me retrouve de nouveau dans des sortes de catacombes. Mais une fois la porte ouverte, l'aventure pouvait enfin commencer. Ah bah non, c'est juste une autre pièce en fait. Un doigt crochu? Bah ouais, ça stimule mieux. Je disais donc que l'aventure pouvait enfin commencer. Wow! Ça en jette quand même, hein. Il y avait ce superbe chevalier en armure dorée qui se baladait au milieu de ces humains suspendus à des croix. Sûrement une performance d'art contemporain. J'ai déjà vu ça. Entre chevaliers, je voulais lui demander conseil. Ah, le voilà. Un peu vite. Ah, l'enfoiré! Alors toi, mon pote, je vais tellement te fumer. Mais plus tard... Les moutons sont vraiment bizarres dans ce monde. Mais personne fait ça. L'univers regorge de beauté. Wow, de super gros moineaux. Ça vole moins bien là, hein. Un peu plus loin, je tombe sur une église en ruine, avec un Père Noël au pied du feu. Oula, Rodolphe il fait la gueule. Il s'agit en fait d'un marchand, mais j'ai pas encore assez d'argent pour me prendre quoi que ce soit. Du coup, je vais partir dans la forêt pour voir ce qui s'y passe. Un chevalier! Mon premier ennemi. Et ben voilà, c'est pas si compliqué, je vais tous me les faire. Même les tortues. Une grotte. Il faut absolument que j'aille voir ça. Une meute de loups. Oh, ce ne sont que des cabots, je vais me les faire. Mais c'est quoi ce délire? Je me suis fait bolos par des clébards. Hors de question que je me fasse avoir une deuxième fois. Mais vous allez crever, oui. Non, mais sans déconner, quoi. Bon, voyons voir ce qu'il y a un peu plus bas. Je tombe sur une entrée avec un voile jaune. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. On est ici pour se battre, non? Alors let's go. Ça y est, je vais affronter mon premier boss. Allez, je vais te montrer la technique de la roulade. Ha, tu peux rien faire. Je vais te fumer, sale cabot. Oh, c'est pas vrai. Les loups respawnent quand on meurt. Et c'est seulement à ce moment-là que je remarque qu'il y avait un petit passage qui évitait toute la meute de loups qui me bolossait depuis tout à l'heure. Ha! Je vais me jeter du haut d'un pont. Tu vas crever! Oui!
Oh, mon premier boss! Je m'attendais vraiment à quelque chose de bien pire. C'est pas si terrible que ça, en fait, Elden Ring. Allez, je me casse. Je me refais vite fait les gardes et je continue mon exploration. Il y a des sortes de ruines devant moi. Et qui dit ruine, dit forcément butin. Dégage! Le problème, c'est qu'il y avait l'un des gardes qui utilisait une sorte de trompette. Ce qui n'était clairement pas cool, car ensuite, ça ramène à tous ses potes sur moi. Et je finis par tous les esquiver. Mais une lance dans le fiacre, ça pardonne pas. Bon, du coup, j'ai esquivé le clan. Mais il est hors de question que je me venge pas sur ce larbin. Crève, charogne! Après avoir passé un peu mes nerfs, je pars pour save la zone vers le point de sauvegarde. Et c'est là qu'une nana sortie de nulle part commence à vouloir taper la discute avec moi. Elle avait pas l'air très nette. Elle me parle d'une brume que j'aurais traversée alors que le soleil est radieux depuis ce matin. Elle retire son capuchon, un tatouage au visage. Encore une junkie. Elle voulait faire un marché avec moi. Avez-vous entendu parler des servantes de l'augure des doigts? Non mais c'est bon, les olives c'est pas mon truc. Elles servent les deux doigts en offrant leurs conseils et leur aide aux sans-éclats. Non mais vous avez pas autre chose à foutre que de mettre des doigts aux inconnus, non? Puis elle commence à me parler de devenir ma servante et me refile un canasson. Bon, j'espère qu'il est pas malade son cheval, hein. Je vais pas vous mentir, c'était assez pratique, surtout avec le double saut. Et les combats, ils sont différents aussi. Oh d'ailleurs, je vais pouvoir lui démonter sa gueule. Ah non, mais ce qui était vraiment pratique, c'était que je pouvais tourner autour de l'ennemi tout en lui mettant des tatanes de l'espace. Après avoir massacré l'entièreté du camp, car je suis trop fort, il était temps pour moi de continuer mon exploration. Sauf qu'un barrage de soldats avec un géant dégueulasse me saute dessus. Super, un peu d'adversité. Ne voyant pas l'intérêt de provoquer du menu fretin, il était évident pour moi que je devais chercher de vrais adversaires. Je poursuivis donc ma course jusqu'à l'entrée du château, tue les derniers gardes, puis continue d'avancer jusqu'à cette passerelle. Sauf qu'un gros clodo me barre la route. Enfin un vrai boss! Après mon échec incertain, la nana de l'autre fois débarque pour me dire qu'elle me mettait à l'épreuve en me laissant me faire tuer comme une grosse merde face au clodo. Super. En fait, c'est une timbrée quoi. J'ai toujours eu de la chance avec les cinglés moi. Elle dit qu'elle peut m'emmener à une sorte de cache où se trouvent d'autres personnes comme moi. Du coup j'accepte. Une table ronde? Ah mais je sais où est-ce qu'on est! Bon, c'est pas mal stylé quand même, mais je comprenais pas ce que je foutais là. Mais surtout, pourquoi l'autre a une roue de carrosse autour du cou? Tu te l'es coincé? J'enseigne des incantations, un puissant savoir que nous tenons des deux doigts. Ça explique pas la roue. Souhaitez-vous apprendre une incantation des deux doigts? Mais foutez-moi la paix avec vos doigts là! L'autre, elle m'a TP dans la Finger Guild. C'est vraiment des obsédés. Ah, il avait raison l'autre timbré là. C'est vrai qu'on dirait Robb Stark. Bon, je comprenais pas trop ce que je faisais là, car il y avait clairement rien à faire ici. À part discuter avec un membre de l'équipage de Davy Jones, suivre des messages débiles... Échelle droit devant. Ah oui, c'est vrai. Me faire fumer alors que l'endroit est censé être safe. Et faire des câlins. Bon, je vais voir ailleurs si j'y suis. Hein. Plus tard, je tombe même sur un cavalier. Que je fracasse. Mais pas le deuxième. J'ai remarqué que dans cet univers, absolument tout veut ta peau. Même les plantes. Qu'est-ce qui se passe là? Non mais c'est sérieux là? Un ours? Mais c'est un mammouth frère! Mais peu importe la faune et la flore, moi j'avais des comptes à rendre avec un certain cavalier. J'avais pris un peu de niveau. Il était hors de question que je continue sans lui avoir mis une branlée. Allez, viens là enfoiré! We'll be right back.
En fait, c'est pas vraiment un boss, ça. Je remercie le gosse 85 fois. Vous êtes vraiment des malades, les joueurs d'Elden Ring. En tout cas, j'espère que t'as bien kiffé la vidéo. Loupe pas la prochaine, car elle sera sûrement sur... Fallo teste. Fallout 4, il va pleurer sa mère.